4 mois après son échec aux Jeux Olympiques de Rio, l'équipe de France de lutte retrouvait la compétition. Opposée au Kazakhstan pour son traditionnel test match, les Bleus ont parfaitement dompté leur adversaire sur la piste du cirque d'hiver. Portée par une nouvelle génération, cette équipe de France a levé les doutes d'un été raté et a assuré le spectacle devant son public dans ce lieu mythique parisien. Pour moi, ça m'a fait grave plaisir de lutter ici, de combattre ici. J'ai vu tout le monde. J'étais content de lutter et de leur montrer c'était quoi la lutte et de leur montrer que les Français on tient bon. Symbole de cette génération talentueuse, Kumba Larocque, 18 ans, incarne l'avenir de la lutte tricolore. Pour son premier test match, la championne du monde junior signe une victoire par tombée en moins de 2 minutes. La France s'impose avec 8 victoires et signe une prestation encourageante en vue des championnats du monde à Paris en août prochain. Oui, c'est super motivant pour la suite parce qu'on voit qu'il y a toute l'équipe qui était soudée et tout le monde a fait de son mieux. Il y en a beaucoup qui ont gagné, donc on ne peut que se féliciter entre nous et fêter ça ensemble. Cet été, les lutteurs auront l'occasion de briller à domicile devant son public. Une opportunité que les Bleus ne voudront pas gâcher. Forcément, faire un championnat du monde à la maison, c'est peut-être une fois dans sa vie déjà. Enfin, en espérant qu'il y ait les Jeux en 2024. Mais voilà, c'est peut-être un événement qu'il n'y aura qu'une fois dans notre vie. Et en tant qu'athlète, en tout cas, j'aurais aimé pouvoir vivre ça. Et je pense que les jeunes sont hyper motivés pour rapporter des médailles à la maison. Si les Français ont déjà conquis les supporters, il ne manque plus qu'à conquérir des médailles, un objectif à la portée de cette nouvelle génération dorée.